Bonjour. Moi, je n'ai rien à dire, puisque mon épouse vous a déjà raconté le tout. Moi, je demande seulement au ministre Ntambwe s'il peut signer le papier pour que mon fils aille se faire opérer en Europe. Toutes les souffrances, c'est tout ça. C'est à cause de lui. J'imagine difficilement. Salut et bienvenue sur tolobelavie.com. Merci surtout de votre fidélité. Vous vous appelez Sabiso chaque fois. Tolobaki bisonobino ezali contrat. Autosignant. Atatoza fatigué. Tolekaka chaque fois boye pour na to informa kabino parce que c'est notre souci. Autosakanango yaliboso. Je crois que vous allez remarquer que tozo présenté bino. Tout le vieux tout ça là qu'un studio mais là tout ça vraiment libanda tout présenté nous libanda donc ça dit place nous sur le coucou tabiso à tout ça un voyage à tout ça libanda il faut nécessairement tous les carabous et pour na tout sabino bas information donc information ezali tant tout ça information ezali information ezali tout le bac à ceux qui tout bimi libosso na bino il faut savoir que bon canabiso déjà ma camboza est belé. À chaque fois il faut tous les cacaboyer devant bino pour tous mes cacacoukaboula moins information entre nous voilà donc un grand merci na bande konyo soro et boza kolandangaï de partout un grand merci à vous un grand merci vraiment na bino boza ko s'abonner na tout le bel avis beau ticaté beau s'abonner chaque fois parce que tant vous avez s'abonner ce que tu tiens loco une fois tu fongoli yango et comme liopé voilà to banda to bevi na biso le to za mama kambo belé je crois bon monde to za un peu calme parce que moi ma kambeza ya moi passé na motema to la xibino d'abord ba parents ya Jekoko Mulumba bon monde vraiment papa ya Jekoko comment aza ko lela pour na passé ya moi na ye na ebite soki je kokonga bomi batu soki ndenge nini rosimu kende akufa kiawa na sima pasi na yeto monaki papa na epe akufa kia landa ki mais lelo encore toza komona makambo ezo salama franchement ça fait mal komona na ba parent baza ba parent na bino pete ba ba parent na biso papa na je koko Mulumba aza parent na yo parent aza papa nanga aza papa na yo aza papa na biso tout na mama wana ata pasi po na bandeko wana ata pasi po na ba parents wana ekozalati alors na zuti kabino na nubolanda element oyo c'est vrai que ça fait mal mais bon toi on a souhaité parce que tant aux autres non nous sommes occupés na occupation kani makamba boko salama na occupation maweza la raté ngono mona batu balati pena poso ya meme na kati baza ba dernier de banco pour dévorer les autres na occupation maweza la raté atabino mogo botala nan ningi papa oyo ningi ni papa oyo ta papa oyo abina sima okanta makamba mwana ye epesa ki pasi makasi na motema donc alelaka chaque jour papa oyo. Mais tu vas nous vivre boye tikan. Vie où tu vas nous vivre boye tikan. Chers Congolais, chers frères et sœurs. Bandeko bozola nangai na tolobe la vie. Comment mboka na biso ko koma sa di mboka ezangi mawa. Yawo je ko kwa ngwa sala ki nini pour qu'on atteigne le niveau ti ba parents ba koma ko ya boye. Et peut-être ba parents attend ba mon papa na pona bango fa kufa donc c'est dire bah tu faut pas koufa kabouye c'est pas possible franchement c'est insupportable c'est intolérable comme on a makambo tout le monde na République démocratique du Congo vraiment ezamawa République démocratique du Congo démocratie ça t'as mais habiter ceux qui politique il faut
de ça dit faut mawa fusi la yo parce que sous un mawa au sunga tata ya mukolo boy bozo mona yebino mo bozo mona tata mukolo boy na mama mukolo boy bako supporter ça dit ba supporter ti fatigué ba mona mwana bango na itawa na mwana bango zanango et puis bozo na bino calme. Donc pour le bino, ça vous dit absolument rien. Vous habitez votre famille ou un, vous habitez papa ou un le lot a eu problème. Et c'est ce problème que j'ai cocoté. Donc je vois la problème papa, on a problème, on a problème. N'a pas famille naï. Donc au moins la coopération, c'est qu'il faut bah exterminer tous les Congolais. Bah na Congo tout Congolais mis toujours bah chaque fois. C'est important. Aujourd'hui j'ai cocoté le lot bigo zoyé, le lot bigo zoyé parce que donc ils ont dingue ou alors ceux qui te télémitent, ceux qui te se prennent en charge, t'es boy bah que t'auras besoin de salaka kaboy. Parce que boule là-bas tout est en dingue. Merci, je crois ça fait mal mais on n'a pas de choix. Toi la choix t'es bisous tout ça la musala tout ça bête kaka c'était qui battu balamuka faut balamuka donc bon on a notre image yo natiki bino bolanda yango comme ça on se retrouve tout juste après. Je vais vous donner un commentaire, ok? Après, moi, on a tiré les sons. Donc, dengue suis j'ai coco. T'as la papa ou la maman, dengue baza ou lela. Pour moi, on a bango. Ce qui est le problème, c'est tata ou la maman ou. Et vous avez dengue nini. Maman, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas dire bonjour à papa qui est visiblement mal au point. Peut-on savoir, pour les téléspectateurs qui vous suivent, qui êtes-vous et qu'est-ce qui vous emmène aujourd'hui à la télévision? Nous sommes les parents de Gérard Moulumba. Gérard Moulumba dit « J'ai coco hein, ». Pour... Nous sommes là, nous souffrons. Je crois que vous voyez dans quel état se trouve maintenant son père, suite à sa maladie et l'arrestation là. Mais c'est la maladie qui nous fait très mal. Puisque quand quelqu'un souffre des reins et il est retenu de cette façon-là, nous nous demandons si toutes les mesures qui peuvent être prises, qui sont prévues par notre loi, par exemple, la libération conditionnelle, vu son état de santé, qu'il aille se faire soigner. N'est-ce que nous ne pouvons pas, notre état ne peut pas se rendre compte. Quand il a été examiné par le médecin d'Engaliem. Parce qu'on a parlé de la contre-expertise, qu'en est-il exactement de... Et ça a été fait. C'était les médecins de campus et de Mamayem qui ont fait ça, la contre-expertise. Ils ont donné le même résultat que ceux d'Engaliem. Et nous demandons pourquoi notre ministre de Justice qui avait demandé ça, M. Ntambo Mwamba, que nous connaissons bien, un père de famille, ne peut pas voir l'état de notre fils et pouvoir l'aider. Qu'il aille se faire soigner, c'est quelqu'un qui ne peut pas fuir le Congo. C'est quelqu'un qui aime bien le Congo, qui, après être soigné, va revenir ici. Puisque le rein là, il lui reste un seul rein qui est maintenant malade. L'autre a été opéré en 2012, je crois. Il a déjà été opéré d'un rein. Il a été opéré d'un rein. Et c'est lui qui était resté intact. Et c'est lui-là qui est maintenant malade. S'il peut l'aider, qu'il aille se faire soigner. Puisqu'il a droit aussi à la liberté conditionnelle. Puisqu'il a déjà fait plus d'un quart de sa condamnation. Qu'on puisse voir ça. Qu'on puisse l'aider. Nous ne voyons pas pourquoi il doit être détenu pour quelque chose dont il soit en mesure de le faire. Depuis qu'il est dans cet état, vous l'avez déjà vu?
je n'aime pas tellement le voir, parce que ça me fait mal. Je n'aime pas tellement le voir. Je l'ai déjà vu deux fois seulement. Son état de santé, il est comment? Et visiblement, vous le voyez qu'il est en bonne santé. Mais et vu ce qu'il a comme problème au rein, c'est ça qui nous embête et qui nous fait peur. En tant que maman, ça vous fait quoi de voir votre enfant dans cet état? Mais ça fait très mal, papa. C'est ça qui a réduit papa à cet état. Donc, il ne peut plus marcher. Il est devenu ce qu'il est devenu à cause de la maladie de notre fils. Papa était touché par cet événement et il est maintenant... Oui. Papa est touché par cet événement. Il y a eu son grand frère, Honorable Léon, qui l'a amené en Europe, qu'il soit soigné pour cela, mais vu que ça continue, il est toujours dans cet état-là. Papa est toujours dans cet état-là. Bonjour, papa. Bonjour. Moi, je n'ai rien à dire, puisque mon épouse vous a déjà raconté et tout. Moi, je demande seulement au ministre de Tambo s'il peut signer le papier pour que mon fils aille se faire opérer en Europe. Toutes les souffrances, c'est ça. C'est à cause de lui. J'imagine difficilement. Je suis allé le voir hier, mais j'ai beaucoup pleuré, mais je me suis renforcé de ne pas pleurer. C'est tout ce que j'avais à dire, mon cher frère. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que père d'être victime d'une situation comme ça? Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que papa de voir votre enfant dans une situation comme ça? Je n'ai même pas une minute de vous écouter, puisque tout le temps je suis à la maison, je fais que pleurer. Ça me fait très mal au cœur. D'abord, je suis un cardiaque. Les souffrances que mon fils souffre là-bas, ça s'ajoute encore sur ma maladie. J'avais fait l'AVC le 1er janvier. Ça me fait toujours mal. Quel message pouvez-vous adresser aux autorités qui vous suivent? Je demande aux autorités de le faire libérer, qu'il aille se faire soigner. Il est sérieusement malade. C'est tout ce que je demande aux autorités. C'est toi, ministre Ntambo, de la justice. On termine par vous. Un message aux autorités. Pour que malheur n'arrive pas demain, on a déjà dit qu'il était dans une situation difficile. Il était à Makala. Il a fait une rechute, il est aujourd'hui à l'hôpital. Son état ne s'est pas amélioré. Les médecins disent, mais il est toujours au pays. Tout le monde craint le pire, maman. Oui, on craint le pire. C'est ça qui nous fait très, très mal. Puisqu'à son âge-là, si on le perd, nous n'allons pas oublier que c'est l'État congolais qui l'a fait. Nous voulons d'abord qu'il soit soigné. On peut lui accorder la libération conditionnelle, puisque ça se fait, c'est prévu par notre loi. Surtout qu'il a déjà fait en prison plus d'un quart de sa peine qu'on lui a donnée. Et voir aussi ça. Si par extraordinaire, il arrivait à nous quitter. Qu'il nous quitte. Mais ça va tomber sur l'État congolais, qui ne sait pas ce qu'il doit faire avec ces hommes. C'est l'État congolais. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que le rein, c'est la régulation du système de tout un corps. Voilà. Et donc c'est extrêmement dangereux. Et c'est comme ça que nous devons être sincères en disant que plus ça traîne, plus c'est dangereux pour lui. Et si par malheur, il nous quittait. Mais s'il nous quitte, moi je regarde le surtout le ministre de Tambo Mwamba qui ne veut pas nous aider.
Nous ne savons pas pourquoi. Pourquoi on doit faire ça à quelqu'un? Même si on est politicien, opposant à celui qui dirige le pays ou qui détient le ministère de la justice, il n'est pas son ennemi. Il n'est pas son ennemi. Ça fait quand même mal. Beaucoup. Quelque chose à ajouter, papa? On a terminé. Ce n'est pas quelque chose à ajouter, mais je demande seulement aux autorités qu'on libère mon enfant qui aille se faire soigner. C'est tout ce que je demande. Papa, maman, merci d'être passé. C'est à nous à vous remercier d'avoir pensé pour nous accorder la parole. C'est à vous que nous remercions beaucoup. Tous les Congolais prient pour l'honorable Gekoko, espérons que Dieu nous fera toujours grâce, puisqu'il a toujours travaillé pour ce peuple. Les autorités vont être raisonnables pour une fois agir en bon père de famille. Oui, surtout le ministre Tamboman. Nous le connaissons. Il n'a qu'à nous aider. Il va de la vie de quelqu'un. Oui, ça va de la vie de quelqu'un. Il n'a qu'à voir aussi. Maman, papa, merci. Merci beaucoup, papa. Merci. Merci beaucoup de Tchang. Dans mon regard la télévision, mon fils, aujourd'hui j'ai la chance de vous voir en personne. Merci. Je suis votre admirateur. Je crois que l'image est pas si mingi, comme on a biloko ya boye. Vraiment, ça fait très mal. Comme on a biloko ya boye. Tant que on a biloko ya boye, ils ont fait ça. Et ça l'a bien été. Et ça l'a bien été. Il y a moi toujours à chaque fois, Congolais, Fongola Misu. Congolais, Yébela. Parce que, quand tu as Makambo, comme on a Makambo, ils ont pas si mingi. Voilà, atamu tangwa salagi nini na ibite poka pona kama kamba politique na bino politique mongo ya pata punyande balobaka ezanga na mutu na makolo bo sala rien mais so mutalingo critique bino akomatine tao bo kriele et puis bo luke les problèmes na famille de sa dit so famille okufa ba kufa na bango quant à vous donc pona bino etali binoté bana ko so to fongoli mi soute mawatro comme on a papa mon kolo boye na mama mon kolo boye tala eta papa na jekoko a komi pona souci ya mwana na ye likambo ni nango oyo et si la kate ça fait mal comme on a biloko oyo chers frères chers amis eza pasi mingi zwa papa na lokwa papa na yo politique bo luka lar donc pona la ça dit yango comprendre ke ba timbela bino ke politique na Congo surtout et ça c'est à dire vous êtes des sanguinaires bon makabatu pour bon lien mongo au besoin lien les amas qui l'a ya batu pour ce qu'on se leur koufi le maquillage coco combien de personnes bas koufi aux autres s'en foutent à tout le monde donc mon tocou l'obé la binonté et bon y'a beau l'obé si couillou balimbi sabino c'est pas possible. Chers amis, chers frères, merci, je crois,
Bakambo yo tozo le bao yo ezo sala moi pas si donc et ça pas si il faut nécessairement to le baraboy. Jean Koubal musicien ya boanya mission mayele il est pas un candidat député. Alobi a sali déclaration mon Twitter naye alobi je ne sais pas pourquoi on peut nous proposer quelqu'un comme Ramazan Shadary qu'on a vu sur les réseaux sociaux en train d'insulter la femme. Je me demande s'il est déjà exclu aux femmes de voter pour lui. Donc je crois que mon ayango ndeko Jean Koubal azoka moi que Ramazan Shadary muto a finga ki basi alobi muto so a fingi mama na yo finga pe mama na ye mais Lelo va présenter comme président de la République il y a Congo et l'okozo kamwisa batu garçon il s'appelle Koko Nyangi. Koko Nyangi yo aza ko éloger Shadary ya ko saranate donc pour na ye azozwa Shadary comme Jésus-Christ. Alors dans la Bible, papa na Jésus comme des alaki Joseph et sa maman s'appelait Marie. Donc Joseph Kabila, Marie Olive Olembe, babota ki mwana na kombo ya Emmanuel. On donnait naissance à Emmanuel. Wana Koko Nyangi oyo azali secrétaire adjoint de la majorité présidentielle. Donc comme on appelle Joseph. Ah là 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 là. Azaki na meeting nangaba banangaba père mo bo eponga na zalaka. Azaki na meeting na commune ya Ngaba. Et na meeting wana a lancé un message. Message na a lancé à lobby azuti na banangaba tout. Autina batutu va voter Emmanuel Shadary. Abi dans la Bible, le papa de Jésus s'appelait comment? Autu bazungi si Joseph. Abi sa maman s'appelait comment? Bazungi si Marie. Alors, Abi le président de la République s'appelle comment? Autu bazungi si Joseph. Et sa femme s'appelle comment? Bah oui, moi c'est Naye Kombo Naye et Marie Olive Lembe. Alors Yemoka Lobi, Batouami Balé, ils ont donné naissance à qui? Batouami ici à Emmanuel. Emmanuel Aonani, Emmanuel Shadary. Tala niveau Batouami Basakarana, peuple congolais. Tala niveau. Surtout au fond, la mise sous débat dans le Congo, ils n'ont pas si. Ils n'ont pas si. Ma cambo le bézard est belé. Et belé, et belé, et belé, et belé, et belé. Bah, évêque, bazar vraiment préoccupé. Hein, bah, évêque, il y a Saint-Co, bazar vraiment préoccupé par l'état actuel où il y a processus électoral. Donc, bazar la laté, bah, qui est en Zambie, pour ne pas télémer la machine à voter. Ce qui est surtout au Landa, Boyer et aux Amalam. Merci de nous avoir suivis. Je crois Bande Kobolandi Bissot partout de partout. Merci à vous. Formation Bokana Bissot, ils sont importants. Partout aux Ali, il faut nécessairement tous les kakapona, tout passera bien information. Donc d'ici là, portez-vous bien, restez connectés à tout le bel avis. Ce qui est comme vous allez, numéro de Angoua Nizaka, toujours affiché. Qu'hésitez pas, benga biso, vraiment, tout ko solo là. Donc, n'a pas si bien encore, mbote belé, mbote na Washington, des grands pays, na Minique, mbote encore, na Papi les Rois, mbote encore, en tout cas, boza et belé. Merci à vous. Si tu as soif, 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 tu as so
www.tolobelavie.com TOLOBELAVIE.com Site de Papy Guéné.